Quand les euh, laisser passer se vendent en deux heures, est-ce que ouais. on sent une pression, on se dit OK, on a réussi, euh, j'ai fait ce que je devais faire? Euh, assurément, mais c'est aussi euh, stupéfiant. Euh, je peux pas penser que, par exemple, la programmation est à un niveau où 125 000 billets peuvent s'écouler instantanément parce que c'est ce qui s'est passé. On dit deux heures, c'est le temps que les ordinateurs ont mis à traiter la demande. Euh, donc, c'est un ensemble de facteurs. On est évidemment fiers, contents, mais le, le, la véritable performance aujourd'hui, c'est les festivaliers qui l'ont donné. Euh, ce niveau d'engagement-là, c'est stupéfiant. Oui. Puis moi, il y avait une question qui me trottait dans la tête. Ça fait quand même depuis 2012 que vous êtes en charge de la programmation. On est en 2023, il y a ce record de vente de laisser passer, mais dans les dernières années, quand ça fait plusieurs années comme ça qu'on travaille sur la programmation, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut vous renouveler, qu'est-ce qui, la vision, comment est-ce qu'on l'a fait évoluer quand ça fait toutes ces années euh, Oui, c'est sûr que c'est différent. Beau cadeau, au final, un, oui, c'est un beau cadeau, puis c'est un peu différent. On arrive dans ce métier-là, euh, en fait, on arrive dans ce métier-là adolescent, ouais. en achetant des vinyles compulsivement, en faisant des, des spectacles de lip-sync dans le sous-sol, et ça devient <laughs> jour un métier et donc euh, on s'en lasse pas vraiment parce que ça devient c'est un peu je ne sais pas ce que je ferais euh, mais quand même avec le temps on cherche à rester Compétitif. on cherche à rester allumé on s'entoure bien on travaille en équipe avec arnaud avec olivier on ne se fait pas confiance toujours et on se challenge et on se questionne à savoir est ce qu'on va dans la bonne direction on essaie de rester toujours au... à... en accord avec le goût du public et de voir évoluer ce goût là les défis sont là de savoir que le new country est vraiment euh, arrivé ici maintenant et qu'on peut aller dans cette direction là savoir quand c'est trop tôt savoir euh, quand on a un peu trop de rock et c'est clairement pas pas le cas cette année, euh, puis de toujours euh, retravailler les épices euh, de tout ça pour rester pertinent. Euh, le défi, c'est d'attraper ces nouveaux artistes-là qui émergent à une vitesse folle dans un monde qui est tellement éphémère en ce moment. Euh, un Zach Bryan qui va être sur les plaines et qui était un inconnu il y a un an. Ce genre de trajectoire-là, ça n'existait pas il y, a, il y a 10 ans, 12 ans. Euh, ça devient la norme et c'est un, un challenge. On ne peut pas s'endormir. Mais il y a eu quand même la pandémie dans les dernières années. Qu'est-ce que ça a amené, la pandémie, face à justement quand on doit programmer euh, à... Des, ar des artistes, des spectacles? Bien, clairement, ça semble ou avoir ou... amené euh, un, un appétit démesuré du public. Ah. Euh, <laughs> je pense qu'on est encore dans cette espèce de, de lune de miel-là, de revenir dans les grands rassemblements. On n'en a pas vécu beaucoup quand même. L'an dernier, on a fait un festival en pleine pandémie. C'était pas un festival post-pandémie. On parlait de COVID à tous les jours. Ouais. Euh, là, on, on est encore peut-être à un autre niveau. On est plus loin dans la réflexion, mais les gens ont encore ce besoin-là de se rassembler, de vivre cette espèce de, de là qu'on offre au festival, donc pour ça c'est positif. Ça a aussi amené une inflation qui nous touche beaucoup, un taux de change qui est vraiment difficile pour nous. Donc économiquement, on n'est pas dans un contexte favorable, mais avec une réponse comme celle d'aujourd'hui, ben on, on reste, on comprend qu'on est compétitif et que les gens nous disent continuer de pousser. Je ne veux pas vous mettre de pression, mais est-ce que les festivaliers qui nous regardent ce soir peuvent maintenant prendre pour acquis que les plus gros noms qui circulent dans les dates du festival d'été vont venir à Québec? Euh, oui et non. Je pense que c'est une... Euh... On a vu les, les, les chasseurs de rumeurs être très habiles cette année. Euh, donc on y arrive généralement, mais il y a tellement de contexte. Parfois, pour 48 heures, on échappe à un artiste qui on pense, on regarde puis en théorie, c'est possible, mais finalement, non. On a, on a eu évoqué Chris Stapleton, par exemple, qui était dans nos dates euh, à Cavendish. Finalement, ce n'était pas possible pour nous. Donc il y a beaucoup de, beaucoup de jeux de coulisses qui fait que c'est possible ou pas et il y a aussi parfois des décisions qu'on prend euh, de ne pas attirer un artiste qui est en vue et qui est disponible parce qu'on avait autre chose à accomplir parce qu'on gère une espèce de plafond salarial et quand on décide oh, d'aller avec un artiste mmh. Il y a cet autre artiste-là qui est disponible, mais il est arrivé plus tard dans le, dans le portrait. Et là, nous, ça ne convient plus avec la direction qu'on prenait. Mais de façon générale, euh, on est capable, oui, on est capable d'attirer les grands artistes de ce monde. Encore faut-il qu'ils aient envie de jouer à l'extérieur, de venir dans un festival. Euh, mais euh, on est très confiant de pouvoir attirer les, les meilleurs. En tout cas, certains reviennent année après année, les Foo Fighters, <laughs> ouais, c'est <c> ça. <laughs> c'est comme un abonnement. est qu'ils oui. qu ont euh... un condo dans le lieu? Je ne sais <laughs> pas pourquoi, bon. ben là, Je pense, pense qu'ils vont y penser, sérieusement. <laughs> c'est des, des amoureux ouais. de l'événement. Le Québec est, est en amour avec ce band-là. Et surtout, il y, a, il y a une trame qui se construit autour de ça. Il y a, il y a plus d'émotions autour de leur venue maintenant parce que ça devient cet... personnel. Là, ça devient même. personnel, exactement. Oui, bien à l'avance, merci beaucoup. Vous êtes déplacé. Bravo. Grand pour plaisir à Green Day. Oui, voilà. Euh, vous le saviez, vous, mais nous, on ne savait <laughs> pas que c'était dans cette thématique-là. Merci vous. Merci.